Oh, duel d'invocateur, Tamashii contre l'Amargaidon. J'ai une main de départ très moyenne, hein. On va simplement générer deux jauges R pour mon Shushaya. Son côté, il me rush. Avec son âme, il se place très mal, hein. Il aurait dû soit se mettre à 4 cases pour me taper avec son âme en restant hors de portée, soit se mettre à 3 cases en opposition avec son âme pour m'empêcher de l'atteindre. Je profite de la zone qu'il m'offre, hein, et je vais éliminer son âme avec mon Turien. Ça me permet d'avoir un bon avantage sur lui déjà. Il repose son âme. Et la sacrifie directement. J'aime vraiment pas ce genre d'action. Il me fait un peu mal, ok, mais il met rien en place. Ça va être facile de le prendre de vitesse. De mon côté, je me set up. Laboratoire et nocturien. Il pose de nouveau son âme. Et la sacrifie encore pour quelques dégâts? Mais je joue n'importe comment. Le but du labar, c'est pas d'invoquer son âme et de la sacrifier bêtement tous les tours. Bref. J'aime beaucoup ce perso, ça me fait mal de le voir jouer comme ça. On va aller chercher un premier compas. On balance nos fioles. On invoque la chouchette. Ça va lui mettre la pression, les dégâts de zone vont lui faire peur pour son âme. Bingo, il s'en prend à elle. Ah, non, son âme le focus. Et il la sacrifie pour la zone. Il enchaîne avec Argolio. Ok, s'il avait focus la chouchette, il aurait pu la tuer, dommage pour lui. À mon tour de prendre la zone. J'ai une bonne avance pour lui, sur lui, c'est gagné. Ok, un sort filler, je suis bien. On va jouer la sécurité, je vais chercher Shushaya pour poser une menace et regagner quelques points de vie. Ok. Ce tour, c'est presque un abandon. GG à lui. C'est moi le meilleur dresseur. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.